Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort, ha ha ha! Oh bien wesh! Mais venez m'aider! Vous voulez ma mort? Je peux pas le faire! Mais qu'est-ce que je peux faire, j'en sais rien! Casse la fourchette avec ton épée! Ah ça, c'est une bonne idée! Oh! Tu appelles d'où? La seule chose qui peut arrêter la fourchette à dessert, c'est le couteau! Dis donc, pour l'artefact divin, je trouve que c'est pas très solide. Que m'arrive-t-il? Que ne suis pas censé savoir respirer? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une fuite d'asthme. Tu veux de la ventoline? Ils sont démaudis? Démunis, ils sont démunis. Parle pas la France, toi. Libertad! Ernesto Salazar est de retour. Il va pouvoir trouver l'amour. Oh, je suis aussi chaud qu'un four. Je suis prêt pour une patouze. Mais ce sera pas pour tout de suite. Encore une fois, je vais trop vite. Il faut respecter le va-et-vient. Après être rentré, il faut sortir. Mais l'autre, il se prend pour une rockstar. Il est temps de lever l'orque. Montez si vous voulez vivre. Vous pouvez pas aller plus vite, même ma grand-mère fera mieux. Un télésiège gratuit, c'est pas tous les jours. Madre de Dios, attendez! Vous n'avez pas le droit de monter tant que je vous ai pas démonté. Il sent la chatte et il veut en profiter. Allez, suis. Allez, allez, la route doit tourner. Ne croyez pas que vous allez me mener en bateau! Je réaliserai mon rêve, mon droit d'y croire! Je te tiens! Ah, mais m'arrache pas le bras! Déjà qu'il me manque une jambe! Désolé, pas de bras, pas de chocolat! Non, je retiens ce que j'ai dit, ne me sais pas! J'avoue que j'y ai pensé après cette vanne de merde! Et vous ne m'avez rien dit! Tu l'as dans le cul, hein? Il peut presque sentir sa culotte! Romy me fatigue, ce pervers! Ah. Bon, allez, ça suffit! Arrête de t'accrocher à moi, toi! Hector! Nique-lui sa race! Hop! Putain, elle est vraiment petite, la tienne! J'espère que ça va suffire. On ne dit jamais à un pirate comment il va finir. Mais non, c'est un détournement. La fin va être différente. C'est moi qui décide quand ça se termine. Et celle-là, enfoiré, tu la sens? C'est pas juste. J'ai laissé les meufs. Yéronimo. Aou. C'est pas moi qui aurais dû être mouillé. Alors, c'est qui est la plus grosse? J'espère que vous êtes bon en apnée. T'inquiète, si nécessaire, je lui ferai une bouche à bouche. Il n'en est pas question. Vous avez pas vu mon chapeau? Pourquoi vous êtes tous excités là? On a gagné la Coupe du Monde? Laisse-moi te répondre, Hector.
Sache que j'en ai jamais douté. Tu dis ça comme si tu savais réellement. Je préfère pas en parler.